il est passé, votre petit ange adoré? Français! Français! Je vais vous dire, moi, où il est passé. On a renvoyé cette petite pute aux portes de l'enfer! Elle est allée se faire foutre par le diable! Qu'est-ce que vous allez faire, maintenant? Venez nous voir! Venez! Venez vous battre! Venez! Salopard, vous dormez, hein? Vous êtes en train de faire des prières pour que votre sale petite sorcière revienne sur Terre! Vous m'entendez? Oui, je t'entends! Je suis vivante! Puis Dieu te pardonne d'avoir blasphémé! Moi, je ne pardonnerai pas! Je ne pardonnerai jamais! Jeanne, qu'est-ce que tu fais? Au lieu de te reposer. Il faut vite réveiller les soldats. Vite! Mes vaillants soldats! Réveillez-vous! Mes vaillants soldats! Debout! Aux armes! Aux armes! Allez, debout! Levez-vous! Il faut livrer bataille! Debout! Debout! Mes vaillants soldats! La bataille a commencé! Allez, levez-vous! Aux armes! Allez, levez-vous! Le moment est venu! Aïr! Aux armes! Oui! Venez, soldats! Il faudrait cesser tout, vite! Il faudrait cesser tout, aidez-moi! Les meilleurs soldats! Aidez-moi! Jeanne! Qu'est-ce que tu fais? Nous allons reprendre les tourelles. Toi, va réveiller Glasdel. Jeanne, qu'est-ce que tu fais encore? J'adresse un message à Glasdel. Avec ça? Oui. Elle est à l'envers, tu sais. Oui, je sais ce que je fais. Alors, soit tu nous aides, soit tu vas dormir. Je vais lui en envoyer un message à Glasdel, moi aussi. Lord Talbot. Quoi encore? La Française. La sorcière. Je crois qu'elle est ressuscitée. Allez, on se dépêche! On sort! Jeanne, tu ne crois pas qu'on devrait prendre le temps de réfléchir? Trop tôt! Vaut mieux que trop tard! Jeanne! Aux armes! Aux armes! Jean-Antoine! Bonjour! Bonjour! Celui-là! Qu'est-ce qu'elle fout, bordel de Dieu? J'en sais rien! Ce qu'elle est en train de faire, on se le demande! Comment tu veux qu'on se mette d'accord sur quoi que ce soit si elle nous a même pas consulté? On l'a pas consulté non plus, nous, hier. Ah, commence pas, Alençon. Hier, tu étais d'accord pour attaquer, toi aussi. Oui, mais ça veut rien dire. Pourquoi ça? Parce que je suis toujours d'accord pour attaquer. Oh non! La diablesse. Elle ne sait même pas s'en servir. Fermez les portes! Allez! Non! Non! Ah! Ouvrez-moi! Allez,
gravement blessé. Non, ce n'est rien, c'est... C'est une flèche. La blessure est profonde. Jeanne, il faut rester tranquille jusqu'à l'arrivée du médecin. Les médecins, ils peuvent aller au diable. Peut-être t'auras plus de chance avec ce talisman. C'est ça qui m'a sauvé la vie à Azincourt. Putain, mourir, c'est agir. Jeanne, tu mourras si l'on tarde à extraire cette flèche. Voilà une qui ne nous dérangera plus. Maintenant, retournons à la bataille. Jeanne ! Jeanne ! Oui. Je t'en prie. Elle est dingue ? Il faut que tu te calmes. Tu as besoin de repos. Très bien. Mais il faut que tu me promettes. Promets-moi. Prendre le combat. Je te le promets. Jeanne ! Jeanne ! Jeanne ! Jeanne ! Bon sang ! Jeanne ! Dépêchez-vous ! Mais faites quelque chose, vite ! Elle est endormie. Quoi ? J'en reviens pas qu'il nous a envoyé une femme. Je me demande de quelle couleur sera sa robe. Bleu. Avec un ruban bleu dans les cheveux pour ligoter Talbot. Est-ce que quelqu'un a entendu dire si elle savait seulement monter à cheval? Elle sait. Vous êtes envoyé par Chevalier du Noir ? Oui. Eux, oui. Où sont les Anglais ? Ils sont partout. Où sont les vivres ? Je les précède. Elles vont arriver. J'ai un message pour le chef de l'armée ennemie. Il s'appelle Talbot. Je sais, oui. Vous pouvez me conduire à lui ? Ça va être difficile, il est sur le rive du fleuve. Alors, qui a donné l'ordre de me faire venir sur cette rive ? Salut, compère ! Ah, nom de Dieu, ta sale gueule m'a manqué. Laïr, prends garde à toi. Pardon, Jeanne, permets que je te présente le demi-frère du roi, l'entêté, comte de Dunois. Comte de Dunois, veuillez donc me conduire sur l'autre rive. Attendez. Mais je... Attendez. Attendez. Très bien. Allez-y maintenant si vous y tenez. Ce sera sans moi. Vous avez des devoirs envers Dieu. Moi, j'ai les miens envers le peuple. Et mon peuple meurt de faim. Alors, d'abord, on va emmener les Juifs dans la cité. Et si vous voulez bien vous calmer et accepter de nous accompagner à Orléans, ce sera pour moi un honneur de vous y accueillir. Je vois du sang sur la plaine. Réveillez-vous ! Vite ! Ils ont commencé la bataille, sans moi. Il y a une bataille livrée. Une guerre à gagner. Dieu. Sauvez la flèche ! Ma bannière ! Ma bannière ! Ouvrez les feux ! Seul le sait. L'idée était mauvaise. Les hommes s'étaient confessés. Où sont les prêtres ? Nous les avons pas emmenés. Nous voulions faire vite. Nous voulions les prendre par surprise. Dunois, qui a donné l'ordre d'attaquer ? Répondez-moi ! On peut en parler tout à l'heure ? Trop tôt vaut mieux que trop tard. Hé ! Attendez ! Attendez ! Elle va se faire tuer !
C'est une grande victoire, Jeanne. Ta victoire. Et on peut la prolonger et poursuivre les Anglais jusqu'au camp de Talbot. Moi, bien sûr que tu n'aies une autre idée. Avant cela, rassemblons la plus grande armée possible et entrons dans Orléans. Le pont a été démonté. Les Anglais sont en train de le rebâtir. Et comment le sais-tu? Vous avez consulté vos conseillers. J'ai consulté le mien. Tout le monde aux murailles. Nous a donné une grande victoire. Mais ce n'était rien en comparaison de ce qu'il s'apprête à nous donner maintenant. Je sais que vous souffrez tous de fatigue et de faim, mais je peux vous jurer que même si les Anglais s'accrochaient au flanc des nuages pour essayer de nous échapper, nous les mettrions à terre avant la fin du jour. Et maintenant, que ceux qui m'aiment me suivent. Suivez-moi!